De retour à 9.5. Ben alors, bon, on a un invité. Ça, excitant, parce que les femmes, tenez-vous bien. Cet invité-là, c'est quelqu'un qui... Cet invité-là me fait vraiment plaisir. Moi, je suis très... Moi, j'ai... Heureux de savoir qu'il a accepté ça... l'offre. Quand il a commencé, ça... Et il s'appelle... Ça parti en fou. Jean-Nicolas. Oui, mais sa carrière a été fantastique. Véreux. Vite fait comme ça, là. Ton rôle. Mon rôle? Plusieurs rôles. Dans la société. Ah, dans la société. Merci. Dans la société. Être un bon père de famille. Un bon chum. Essayer de participer à la collectivité un peu. Même d'accord. Quand vous vous analysez, vous trouvez-vous bon? Non, pas tellement. De misère à me voir un peu. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Le surprenant, là, ouais. C'était comment, ça? C'est le survenant? C'était... Oui, pour ça, j'ai dit, là. Ouais. Il commencera pas. Ouais, ben c'est sûr, il y en a qui ont trouvé ça poche, il y en a qui ont trouvé ça bon, mais c'était le fun à tourner. On était surpris, là. Ouais. Non, je l'ai pas vu, moi. OK. L'avez-vous en DVD? Oui, j'ai eu dernièrement, ça fait du temps, là, ouais. Mais... 2 minutes. Ouais. Ben oui. Avant ça... On va rewindé, là. Avant ça? Une couple d'autres films, séries télé, Jack Carter. OK. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Mais oui, c'est quoi qui vous donne le goût? Qu'est-ce qui m'a donné le goût? Je sais pas ce qui m'a donné le goût. Ben, y a des vous savez qui... pas? Non, mais j'étais un peu paresseux dans la vie, mais il y a des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné un petit coup de pouce. J'étais un peu surpris, là. Mais non, c'est bizarre, ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça, des fois, tu sais, comme les personnages, on le voit, il est en t-shirt, ça. Ouais. Il a pas fret, lui? Non, je sais pas. Ben, il est tough. Ouais. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a donné le goût? Non, on parle plus de ça. Non, OK. Qui se cache derrière? Derrière? Qui se cache derrière? Derrière? Ben là. Derrière moi? Dernière minute. Complétez. Ah, derrière les personnages? Qui se cache derrière les personnages? Jean-Nicolas Véro. Oui, puis c'est qui, ça? C'est un gars... un homme de cœur, un homme sympathique, je pense. Oui, mais encore? Ben, écoute, qui se cache? Un gars bien ordinaire, finalement. Ouais. Pas sûr. Bon, en tout cas, l'avez voulu, ça? Non. Il reste 30 secondes. Devriez? Je suis perdu, là. Ben là, il reste 30 secondes. On pourrait demander... qu'est-ce qu'on pourrait vous demander? Je sais bien pas. 15 secondes. Bon, ben on va lui demander de regarder la caméra et de dire « J'adore l'émission 9.5 et ça vous revient avec moi après la pause. » L'excellente émission 9.5. Bon. Ici, celle-là, ici. « J'adore l'émission 9.5, ça vous revient avec moi après la pause. » L'excellente émission. Encore une fois, plus de conviction, ouais. Non? Si je t'attouille, je reviendrai pas à la deuxième partie parce que c'est deux hosties d'incompétents. Je me suis fait fourrer, moi. Ouais. 9.5 de retour. On est là, tout le temps. Oui, maintenant... Ça continue, c'est comme un feu roulant. La section rafale qu'on a avec notre invité, Jean-Nicolas Véro. Êtes-vous broyant? Pas trop. Je vais aller voir un peu. Ouais, ça arrive, il y a des affaires qui me tombent sur les nerfs, c'est sûr. C'est évident. Je comme, un peu. Comme? Comme perdre mon temps. Comme, OK. C'est qui votre pire ennemi? Qui? Votre pire ennemi. Et qui? Enfin, je comprends la question. Non, mais c'est qui? Moi, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qui mon pire ennemi? Ça peut être, ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça peut être bien quand ça dépend, là? Ouais. Ça dépend. Ouais. Ouais. Bon, là, il faudrait qu'on se fasse un petit meeting. Oui, mais attends un petit peu, là.
C'est quoi l'affaire la plus cheap que vous avez dit à quelqu'un? Il reste 3 minutes. C'est... Cheap. Je disais, un handicapé, il n'y a pas un peu de paresse là-dedans. Ça, c'est... Il y a du courage. C'est tout le monde pleure. Pleurez-vous beaucoup, moyen ou pas du tout, quelques gouttes? Moyen. OK. Je pleure plus depuis que j'ai un enfant. OK. Pouvez-vous nous faire un extrait? Allô, Ah, l'acting, là, demain, elle a brûlé pour point. Ouais. Non. OK. OK. Est-ce que vous refusez souvent des choses comme ça? Comme comédien, des refus? Ouais. Est-ce que vous vous refusez? Oui, ça arrive que je refuse des affaires qui m'énervent. Ah oui, okay. Ouais. Mon chien un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne referiez plus? Oui. Comme? Certaines scènes osées. 2 minutes. Il n'a pas parlé, de nous autres, donc ça bon. Va bien. Mais là, bon, sans farce, là, t'es rendu à quel âge, là? Je vais avoir 39 bientôt. Oui, mais ça, tu considères comme mature? Un peu, oui. Ça dépend des situations. Bien, responsable. Là, il ne nous veut pas venir, fait que c'est le fun. Est-ce responsable. Que... Oui, mais ça, est-ce que ça veut dire que tu as bien évolué? Hein? Ça, je sais pas. Non, sans farce, là. Répondre tout de suite. Regarde, là. Les gens ont peur de répondre. Pas payé. On va dire que tu étais célibataire. J'ai bien évolué, oui. Est-ce que tu côtoierais les filles de ton âge? Pas mal, oui. Ouais? Oui. Ça se passe pas mal dans la tête. Ça? Oh, oui, ça se passe pas mal dans la tête, pour moi, oui. Ben, pas moi. Mais je dois être comme tout le monde, moi, là. Vous faites exception ou quoi? Je pense que oui. Hein? Un peu, peut-être. Non. Quand t'as rencontré ta blonde, as-tu fait ça vite? Dernière minute. Pas mal. Est-ce que quelqu'un est déjà venu voir pour vous dire « Merci, vous avez changé ma vie? » Non. Mais pourquoi? Ben, je sais pas. Pour lui changer la vie à personne, là. Je sais pas. C'est-tu... Nos questions, vous les catégorisez, vous, comment? C'est quoi, tu veux que je mette une cote, c'est des questions? Ouais. Sur combien? 10. Il reste 30 secondes. Un beau 2.5. 9.5, 9.5. 9.5. C'est... Avez-vous d'autres choses que vous voulez ajouter? Oui, as-tu quelque chose? Je ne penserais pas. Hein? Et vous sourire à la fin de l'entrevue, là, montrer que... 15. C'est Jean-Nicolas Véro. Oui. Il était de passage. De passage. On est vraiment... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, hein, c'était bon. Hein, bon. J'aimais ça, moi, c'était bon. Ouh! Hey, merci! Super, les gars. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Véro. Bon, de... Hey, ça fait du bien. Hein? Ça? Oui, oui. Okay. Ouais, c'était bon. C'est le fun. Ouais. Wouhou! Nicolas Véro.